La station de Morzine-Avoria, en Haute-Savoie dans les Portes du Soleil, a lancé un projet et est en train de réaliser ce projet d'investissement. Il prévoit de remplacer la télécabine du Plenet ainsi qu'une téléphérique du même nom. Mardi matin, à 4h, un drame est survenu. L'alerte a été donnée, la gare du téléphérique du Plenet a pris feu. Les pompiers se sont rendus sur place, mais l'incendie était déjà très avancé. Ils se sont concentrés pour essayer de sauvegarder au mieux et de ne pas détériorer le restaurant à côté ainsi que la télécabine. La totalité du bâtiment du téléphérique a été détruite. De ce fait, certains habitants de Morzine n'avaient plus de télé ni de radio jusqu'il y a quelques jours, ou encore même aujourd'hui. Les pompiers ont lutté pour garder le restaurant. Celui-ci n'a pas été touché, et juste, il a été chauffé, ce qui a fait noircir certains planches en bois, mais rien de grave. Le téléphérique va être donc totalement démonté pour laisser place au projet qui va avoir lieu, le remplacement de ces deux remontées par une seule, un télécabine 10 places.